Bonjour, je suis Nathalie. Nos enfants, on les aime. Et pas facile au quotidien d'être le parent bienveillant que l'on rêve d'être. Vous êtes au bon endroit pour trouver des solutions. Si vous avez envie de créer une relation de qualité avec vos enfants, si vous avez envie de mettre plus d'harmonie et de joie, si vous doutez sur vos pratiques et ne savez pas si les gestes que vous posez sont bons, si vous avez des difficultés avec la crise d'opposition des 2 ans, ou au contraire, vous êtes débordé dans la gestion des conflits dans la fratrie, vous avez du mal à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, vous êtes au bord du burn-out. Alors ici, vous allez trouver des solutions pratiques et vous êtes au bon endroit. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, eh bien effectivement, les outils de l'éducation bienveillante est une solution facile, pratique à mettre dans son quotidien. Il y a peu de temps, j'étais comme vous avec mes enfants âgés de 2 à 5 ans. C'est ma petite dernière qui était jalouse et je ne savais pas quoi faire. Bah, tout simplement parce que j'avais toujours entendu dire et j'avais toujours imaginé que c'était l'aîné qui ne pouvait être que jaloux. Alors, quelle a été ma surprise de découvrir que c'était ma petite dernière qui manifestait de la jalousie et je ne savais pas quoi faire. Tout a commencé pour moi quand j'ai pris conscience que chaque week-end, je pétais un câble et je criais sur mes enfants. Je ne voulais pas être cette mère-là et je me détestais. Et des fois, il m'arrivait d'imaginer ou de penser, heureusement, lundi, le boulot reprend. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais peut-être comme vous, vous n'avez pas non plus reçu une éducation bienveillante. À la maison, chez moi, c'était autorité, stricte. Il n'y avait pas forcément de la communication et de la joie. Je ne savais donc pas quoi faire. Peut-être que pour d'autres, ce seront des parents totalement absents. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'être parent, cela s'apprenait. Que j'étais très souvent en pilotage automatique et donc débordée, épuisée, difficile d'apprendre à lâcher prise, à faire différemment, à déléguer. Et c'est grâce à la découverte des outils de l'éducation positive que j'ai mis dans mon quotidien que ça a transformé l'ambiance de la famille. Ça m'a permis d'avoir une vraie qualité relationnelle avec mes enfants. Mes enfants ont été moins souvent malades de petites maladies enfantines, gastro, grippe, otite. L'accompagnement scolaire a été beaucoup plus serein et j'ai vu tout de suite les résultats. Et en préparant cette vidéo, j'en ai discuté avec mon mari. On a même trouvé que ça avait été positif dans notre relation de couple. Moins de conflits. Alors, si vous avez envie d'être un parent bienveillant et si vous êtes conscient que ce que vous vivez en ce moment n'est pas tip-top, que vous ne savez pas comment faire pour éviter le conflit, le chantage, la punition, eh bien sachez que OSE, l'association d'éducation positive-OSE.fr, vous apporte une multitude de solutions pour répondre à vos questions et mettre en place au quotidien l'éducation positive. Il suffit de s'inscrire à la newsletter ou de nous suivre sur la page OSE, OSE2 de Facebook. Je vous attends nombreux. À bientôt!